Salut, c'est Diablo One et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, une nouvelle série qui débarque sur la chaîne, une série sur Call of Duty World at War. Alors attendez-vous à 15 épisodes, je sais pas si j'en ferai 15 exactement, je pense que j'essaierai d'en faire le moins possible, enfin je sais pas trop en fait comment ça va se passer, mais il y a 15 missions, donc on fera un épisode par mission, je pense. Je vous rappelle qu'on est en 2008 sur World at War, donc c'est le même, c'est la même chose que Battlefield Bad Company, donc pour un petit comparatif entre Battlefield et Call of Duty, sachez juste que c'est comme maintenant, hein, toujours en 2021, Call of Duty, Battlefield ou Call of Duty, voilà, c'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas du tout les mêmes références, c'est pas du tout les mêmes développeurs, c'est pas les mêmes intentions. Battlefield c'est plus un truc de destruction, de monde libre, etc. Et Call of Duty, petite map, petite destruction, petit détail. Voilà, c'est pas du tout le même délire, on n'est pas sur le même concept. Mais voilà, à l'époque, 2008, vous avez eu un let's play sur Battlefield Bad Company juste avant. Vous verrez la différence entre Battlefield et Call of Duty. Voilà, les deux sont sortis en 2008, à peu de date près, enfin, pas longtemps l'un après l'autre. Donc aujourd'hui, on part sur Sumter Fee et on se fera bien entendu du nazi zombie. Pourquoi le nazi zombie? Parce que c'est toute l'histoire de ma vie, le nazi zombie. J'ai adoré faire ça quand j'étais gosse et j'adore toujours faire ça. Vous pouvez d'ailleurs me voir en stream sur Cold War en ce moment. Donc je sais pas exactement quand la vidéo va sortir. Mais voilà, si vous me voyez en stream sur Cold War, allez-y, venez, vous allez voir, mange zombie. C'est le feu, c'est du pâté, c'est un truc de ouf. Donc on part sur une nouvelle partie, parce que je n'ai pas joué, j'ai juste lancé pour voir un petit peu comment ça se passait. Donc c'est parti, on lance, on regarde la cinématique et on commence la première mission, Sumter Fee. C'est parti. On se met en commando. L'atoll de Mekin. Un peu de sable, quelques arbres et une petite base militaire japonaise. Le groupe de reconnaissance de Miller a atterri il y a presque une semaine. Depuis, pas de nouvelles. L'attente est finie. On passe à l'attaque. Ce qu'on en sait, ils sont déjà morts. Si le peu qu'on sait sur les Japonais est vrai, il vaudrait mieux qu'ils le soient. Ok, Sumter Fee. Je vous rappelle qu'on est en 2008, donc graphiquement, c'est pas le jeu le plus beau du monde. Mais ça reste. Tu crois que parce que tu ne dis rien, tu es fort? Non, tu n'es pas fort. Tu es têtu. Surtout, ne leur dis pas un mot! Tous les Américains sont pareils? Allez, tuez-les! Alors, faut savoir. Oh putain. Tu n'es pas fort.
Miller, vous allez bien. Il faut savoir que je vais jouer sur clavier souris. Donc pour moi, ça sera une première sur ce jeu, parce que à la base, je le faisais sur manette. Et la manette est très mal réglée sur le PC, donc du coup, je suis obligé de faire ça clavier souris. Donc niveau sensibilité et tout, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, le jeu... Le jeu reste super beau quand même. Hein. Je dis ça, hop, prendre ça. Donc pour un jeu d'époque, il reste vraiment très propre. Je le trouve encore très très joli. Moi ça va, clavier souris, je m'en sors plutôt pas trop mal pour l'instant. Ça va m'entraîner un peu. Déjà niveau beauté, bon, Call of c'est super beau, franchement c'est propre pour l'année, je trouve que c'est propre. Pas du tout sur le même délire. Hein. J'ai même l'impression d'être plus à l'aise sur Call of que sur Battlefield, sur le let's play que je vous ai fait dernièrement. Groupe de soutien va bientôt atteindre la plaque. En avant. Même si c'est clavier souris, je me trouve plus à l'aise. Alors, je sais pas s'il y avait des... Je sais qu'il y a des trucs cachés un peu à droite à gauche sur le jeu, mais je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Par contre, ça me fait super plaisir de revenir dessus. Alors, c'est C pour ce... Ok. Et c'est... contrôle pour... Okay. Regardez. J'ai les mains moites. On dirait un temple. C'est horrible. Merde, c'est un piège. Ils arrivent. Tenez la position. Ah, la Thompson. Le groupe de soutien devrait pas tarder. Franchement, il reste accélère, beau. Hein. J'ai pas mis de richet et de rien. Merde, ils se sont fait repérer. Ils se font pilonner sur la plage. Infanterie de Jap sur la rivière. Ils se ramènent par l'ouest. Mitrailleuse de droite, je charge de l'autre. Allez. Consignez ce projecteur. C'est fait, chef. Ils sont 15 à lui tirer dessus, il n'y en a aucun qui le touche. T'sais. Écoutez, pour la
Ensuite, je veux du travail rapide et précis. C'est compris ? Rapide et précis. Restez vigilants. Qu'est-ce que c'est ? Qui a tué ces types ? Contactez le QG et demandez si une autre unité nous a précédés. Embuscade ! Allez, allez ! Remuez-vous, soldats ! Ouvrez à l'intérieur ! Non, c'est pas un bug sur Cyberpunk, ça. Et prendre un scream. Je me rappelle, Dizzy, il y a une tourelle, je crois. Ouais. Robuck, faites-moi rouler ce camion dans leur foutu camp. Claire, perce-moi ce tonneau avec ton couteau. Je suis quand même trop heureux de revenir sur ce jeu, c'est un peu bon. On va tout faire péter, nous. Merde, le chrono est mort. On aura juste quelques minutes avant l'explosion. Charge posée. On s'en va. Vite. Tout le monde au bateau. On doit improviser pour les chars. On doit foncer au point d'extraction et vite. Les chars sont opérationnels. Dégagez. Miller. C'est ouf de revenir là-dessus. 3 ans après l'attaque de Mekin, on dirige un assaut total sur l'île de Peleliu. Pas de prisonniers à sauver cette fois. Notre mission, prendre le terrain d'aviation et bloquer le réseau d'approvisionnement. On retrouve des visages familiers, mais aussi de nouvelles recrues. Pour eux, Miller, le sergent Sullivan et moi, on est la vieille garde. Vieille, on n'a même pas 30 ans. Oh, ça me fait super plaisir d'en venir sur ce jeu. C'est un truc de ouf. Faible résistance. Alors, soit j'enchaîne 2 épisodes l'un derrière l'autre. Bonne chance à tous. On
On y est, Miller. Serrez les dents et on en aura fini dans 3 jours. C'est parti. Ces enfoirés vont rien voir venir. Les canons de la marine arrosent cette île depuis 2 jours. Miller, on élimine la défense de la plage. Prenez la radio et demandez un soutien d'artillerie immédiat. Allez, bougez-vous. Robert, traversez vite la plage jusqu'à la ligne d'arc. On avance, vous êtes de point. Figez. Mais qu'est-ce que... C'était l'un des nôtres? Qu'est-ce que... Un autre LBT touché! Tout le monde! Baissez la tête! T'es compris? 20 secondes! Accroche-toi, Tri! Il faut qu'on vide ce bateau! Oh merde! Chopper, baissez la rampe! Le canon peut nous aligner à tout moment. C'est le corail. On est coincé. Baissez la rampe. C'est bon, Miller. Vous êtes en un seul morceau. Le plan est foutu. Les diables ont creusé une tranchée juste après la ligne d'arc. Miller, des mitrailleuses lourdes arrosent cette foutue plage. Un tir de roquette sur ces positions, vite! Qu'est-ce que vous attendez, Miller? Miller! Appuyez sur. Radio. Ah, ok. Faut détruire ces mitrailleuses et vite! Waco 8-1, azimut 3-5, portée 2-8, exécution! Le boulot, Marines! Regroupement à l'entrée de la forêt! D'où est-ce que ça tire? Ne laissez pas vous aligner. Allez, 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 c'est parti. Faut savoir qu'il y a un easter egg, il y a le laser du mode zombie sur la plage. Par contre, je sais plus où est-ce qu'il est. Faut trouver le sergent. Je crois qu'il est par là, je crois. Je sais plus où est-ce qu'il est le laser. On est prêts? On avance. Je sais qu'il est sur la plage ou là-bas. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est, mais... à la limite, je regarderai, puis peut-être je mettrai un extrait ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il est sur la plage. Lance-flamme au boulot! Crame-les, jeune fille! Bayonnette, servez-vous-en si besoin est. Ça va faire mal! Plus vite! Traversez leur ligne! Lando, au-dessus du bout de chœur! Allez là, on va ralentir! Pas de problème! Et lâchez pas! À tout de même! Allez! Au sud, les mitrailleuses! Pierre, détruisez-la! Au-dessus d'une mitrailleuse, il a dit. Nettoyez
Ah, la baïonnette, putain, enculé. Sullivan, l'arme. Qu'est-ce qu'il fabrique pour ça? Beau tir, Miller, abattez-le. Il s'était caché dans l'air. Dans l'air. Restez groupés. Ah, le fusil à pompe. Ah, ouais. Calm down, bro. Non, mais non. Mais ouais, mais sur la manette, c'était facile. Sur la manette, c'était facile. Si pas c'est un tir entre les deux, ça va. Attends, parce que là il y a un mec qui va sortir de nulle part, je crois. Aux ordres, sergent. Sécurisez les environs. On attend les ordres du commandant. C'est quand la pause? Bientôt, Polanski. Bientôt. Sullivan, non, attendez, ça va aller. Brancardier. La mort de Sullivan nous a tous abasourdis. On l'a pas vu. J'arrive toujours pas à y croire. Le soldat le plus sérieux, fiable et courageux qu'on ait connu. Disparu. En un clin. À présent, c'est à moi. À moi seul. De diriger mes hommes, mes frères, pour qu'ils survivent à cette campagne. La DCA du terrain d'aviation coûte cher, nos amis de l'aéronavale.
Notre seule priorité est de prendre ce terrain. Quoi qu'il en coûte. Du coup, c'est là-dessus qu'on s'arrête pour cet épisode, les amis. J'espère que ça vous plaira. Call of Duty World at War version 2008 en 2021. J'espère que ça vous plaira, les amis, ce petit let's play. Donc finalement, on va faire peut-être cet épisode. Pareil, je vais essayer de faire pareil, peut-être deux fois deux. Peut-être deux fois la, deux campagnes. Ça dépendra du temps, à peu près combien de temps ça met, tout ça. Mais bon, là, ça a mis un peu moins d'une demi-heure. Donc du coup, ce sera peut-être un peu plus rapide. Du coup, je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à la prochaine. Je vous laisse regarder en description, bien entendu, comme d'habitude, les liens importants. Le lien Instant Gaming pour gagner jusqu'à 70% de réduction. Le lien Discord pour rejoindre ma communauté. Sachez qu'on est un peu plus d'une centaine, donc n'hésitez pas. C'est super cool. Hein. Voilà, on parle, on papote, on partage notre passion, on fait plein de trucs. C'est super cool. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon lien Twitch pour me rejoindre sur ma chaîne en direct quand je fais des lives. Je vous fais des gros bisous, les amis, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.